Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Alan Wake. Wake. Réveil. Il y a toujours un jeu de mots dans les noms des personnages de Remedy. Hein, déjà Max Payne, ben il, voilà, il a beaucoup de peine. Il a beaucoup de peine, de douleur. Et lui, ben, c'est Alan Wake qui essaie de se réveiller, vous voyez. J'ai entendu des bruits. Oh punaise, ça y est, ça commence. J'ai pas envie qu'on me lance des trucs. Oh punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Feu à main. Oh mon dieu, mais ils sont 40. Merde, j'ai tiré un coup dans le vide, c'est pas grave. C'est qui le suivant? Eh, on me lance des trucs. Merde, il est déjà mort lui. Attendez, mais c'est super lent à se recharger. Voilà. Pas de panique. On va éviter le piège à loup, c'est mieux. Il y a encore des gars, quoi. Au secours. Aïe. Ça, c'est pas normal. Il est où l'autre? Ils peuvent pas marcher dans les... dans les pièges à loup, les messieurs? C'est une blague. Je crois qu'en fait... j'ai rien compris pourquoi il est sorti des ténèbres ou je ne sais quoi. Par où est-ce que je dois aller? Allons vers la lumière. Mais ils sont combien? Moi je propose la fuite. Hein. Oh punaise, mais en fait il y a encore beaucoup de chemin. Quoique, en fait ça va aller. Ça va le faire, je vous le jure. On va y arriver. Ah, il est fatigué! Cours Alan! Tu peux le faire, esquive! Non! Non! Feu à main! Puis il y en a un imposant, je crois. Attendez, voilà. Ça c'est classe, ça. À chaque fois les monstres disparaissent quand on sauvegarde. Ben voilà, je suis arrivé à la ferme, centré la vue. Je distinguais la voiture, mais son conducteur avait disparu. Tom, tom, tom. Si ça se trouve, c'est pas Barry depuis le début en fait. Y'a quelqu'un? Eh oh. Eh oh. Eh mais. Mais quel piqueur de trucs quand même. Barry. Attendez, j'arrive pas à me remettre que le personnage dit exactement ce que je dis une demi-seconde après, quoi. On s'attendra, hein. Je vais ramasser les trucs, hein. Barry, attends-moi. Hein. La porte de devant était fermée, quelle porte? Genre, faut une porte de derrière, maintenant? Putain, mais je rentre dans la baraque, je fais, y'a quelqu'un? Eh oh. Et lui fait, eh oh, y'a quelqu'un. C'est incroyable. Comment c'est possible, quoi? Pourcentage de chance. Enfin, vous allez me dire, il va pas non plus dire un truc complètement qui n'a rien à voir, mais bon... c'est quand même assez impressionnant. Hein. Aïe, mon épaule! Barry avait disparu. Je vous connais. Vous étiez en prison l'autre jour. Ah oui! Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Ça aide à voir plus clair. Quoi? Ils sont chez les fous. Ça va pas leur manquer. Il est où, Barry? J'ai perdu mon pote Danny. Je l'ai perdu. Ah! Il lui est arrivé un truc. Il saigne, le mec. C'est plus ah oui, il a un peu perdu le bout de... ah non, j'ai cru qu'il avait perdu le bout de son bras, mais non. Et comme dans la suite ratée d'un très bon film. Dans laquelle... bah oui, il était possédé, gars. T'es un peu en retard sur l'histoire. Je joue maintenant. Mais qui a écrit ces conneries, d'ailleurs? Eh ben la porte en face, c'est ouverte. Vous avez vu? C'était fermé ça avant. Oh non, pitié, encore un truc comme ça. J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur. Je regarde vite fait, c'est pas autre chose. Hein. Tout comme moi et les habitants de cette ville, personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Personne ne pourra les arrêter. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre, l'ont utilisée comme appât pour me forcer à continuer. Elles n'ont jamais eu l'intention de la libérer. Mais je vais changer tout ça. Je vais leur échapper. Je fais désormais partie de l'histoire. J'en suis l'un des protagonistes. J'ai pris un risque terrible, mais c'est le seul moyen de sauver Alice. Je serai soumis aux événements de l'histoire, comme n'importe lequel de ces personnages. Pour réussir, l'histoire doit rester crédible. Il doit y avoir des victimes, du danger, du suspense. C'est pas que c'est long, mais... c'est une histoire d'horreur. Le lecteur ne doit pas savoir si le héros va s'en sortir, s'il va survivre. Le héros doit frôler la mort. Ouais, je frôle souvent la mort dans ce jeu. Je suis d'ailleurs mort plusieurs fois. C'est Zen qui va me l'apporter.
Je l'écrirai ainsi. Zane? Zane, c'est Thomas Zane, non? Ah bah il est toujours là. Il est mort? Je sais pas, je vais où maintenant? Fouiller le chalet, mais il n'y a plus grand chose à fouiller, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce bruit? C'est une porte, ça? C'est fermé. D'où venait ce bruit? Oh punaise, il sort d'où, lui? Recule! Recule! Eh ben, dis donc! Laissez-moi deviner. Danny. Ah, c'était Danny! Et quoi, maintenant, je... Je pars en arrière? Le fauteuil, il tangue. Ah bah ça tombe bien, je ne sais pas où j'aurais pu aller sans. Ah bah non, en fait, c'est pas par là. Raté. Du coup, je retourne voir l'autre ou je fais le tour, je vais voir la voiture. Ah non, je peux pas sortir. Fouiller le chalet, bah voilà, j'ai fouillé le chalet. Il n'y a plus rien qui s'ouvre. Je vais revoir le monsieur en haut. Mais bon, je doute que ce soit ça. Je sais même plus de quel côté c'était. J'ai fait un demi-tour sur moi. Non, il a pas l'air en état de discuter. J'ai retrouvé ton pote. Mais il a disparu. C'est parce que... C'est Danny Larry! Par la fenêtre cassée. Je pouvais sortir par la fenêtre cassée, c'est un peu ce que j'essayais de faire il y a 5 minutes, quoi. La ferme se trouvait encore assez loin. Il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement. Oh mais... Où est-ce que je vais pouvoir trouver une voiture? Je me le demande bien. Attendez, je fais juste un tour à côté pour voir s'il n'y aurait pas... Un parchemin. Par exemple. Enfin, un manuscrit. Enfin, vous voyez, quoi. Quand je dis parchemin, ça veut dire manuscrit. Attendez, on va le dire vite fait. Hartman songea Mott et Wake. Dans l'espace d'un instant, Hartman songea à étrangler cet idiot. Mott était mesquin, mais facilement manipulable. C'était un enfant qui n'attendait que son approbation. Wake, en revanche, était bien plus complexe. Mott lui avait laissé trop de liberté. Qui savait ce qui pourrait se passer en 2 jours? Hartman devait trouver un moyen de lui serrer la bride, et vite. Pou, pou, pou. Bon, on va conduire. Conduire. Si Barry n'était pas ici, vous pensez que je peux couper à travers les bois? D'un instant, je m'en voulus d'avoir douté de lui. Après tout, je m'en étais sorti jusqu'ici. Wow! Barry, je suis un fou, moi. Je suis Vin Diesel, attention. Dérapage! Attendez, il y a un bâtiment là-haut, je vais aller voir ce que c'est. Puis il y a des maisons et tout. Ah oui, mais si je me fais attaquer, j'ai pas envie d'aller voir. Ouais, mais s'il y a des bonus. Bon, je vais rapidement regarder. Ah, et puis il y a ce véhicule là, ouais, avec des lampes et tout. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Je sens que je suis une grosse boulette, que je vais mourir. Ah non, il y a peut-être des grenades incapacitantes. Et voilà, 2 grenades incapacitantes. Ça valait le coup. Voilà, rien que ça, ça justifiait de s'arrêter et tout ça. Juste regarder au second étage. Y'a rien du tout. Demi-tour, Alan. On va prendre l'autre véhicule. Qui a l'air juste mieux. Mais dites pas que quelque part dans les bois et tout, il y a des bonus. Ce serait honteux. C'est marrant, à chaque fois dans les véhicules, il y a la clé, quoi. Ou alors on fait abstraction du fait que mon personnage est tellement balèze qu'il sait couper les fils et faire bzit bzit et les démarrer. Il y a encore un autre véhicule. En fait, je crois qu'il y avait plusieurs chemins pour y aller. Là-haut, ça va encore être un truc de... Oh non, j'y vais pas. On va continuer l'histoire, là. Mim, 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 mim. Oh, il y a des croisements et tout. Oh, attends. Oh, oh. C'est quoi ces véhicules, là? Ils glissent. En vrai, ça glisse pas comme ça, hein. Je vous assure. Attendez, attendez, attendez. Contrôlons bien. Ben, voilà, on arrive à la ferme. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je ne vais pas regretter d'avoir pris ce véhicule. C'est une blague ou quoi? Moi j'aurais dit zut, hein. Oh, zut. Zut, attendez. Oula, mon PC il rame maintenant. Allez à la ferme. Attendez, j'ai pas dû avoir pris le bon truc. Je roule en plein milieu du champ. Oh, il y a des bonhommes. Mourez tous. Bande de... Monsieur. T'es mort. Ah mince, je suis obligé de passer par là, comme c'est vilain. Attendez, je vais les tuer histoire d'être tranquille. Mais... Voilà.
Oh mince, il y en a un très imposant là. Recule! Wow! Bon, on va prendre son élan, hein, parce que... Je sens bien qu'il n'y a pas un checkpoint avant un petit temps et que... Je préfère donc... Ah oui, et puis mince, je peux focaliser mon truc, excusez-moi. J'avais oublié ce détail. Genre, il est pas mort! C'est quoi ce délire? Voilà. Parfait. Et évidemment, la voiture ne peut pas passer à travers un espèce de vieux grillage tout pourri qui tient plus. Depuis 470 ans. C'est des bottes de foin. Oh non, pitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh punaise, je sens pas du tout ce truc. Et en plus, je me fais attaquer, mais c'est une blague. Feu! Attendez, j'ai chargé deux déjà, là, parce que... Il est où l'autre? Je sais pas où est passé l'autre gars. Ah, il est là. Il est coincé derrière la botte de foin, c'est génial. J'ai eu un achievement, je sais pas c'est quoi, mais... Et j'ai tout buté d'un coup. Achievement, Energizer. Enfin, moi, j'ai Steam en anglais, donc... Mais les achievements sont en anglais, c'est génial. Point de contrôle. Boum. Qu'est-ce que tu dis de ça? Genre, je dois aller par là, là? C'est marrant, comme il y a toujours qu'un seul chemin disponible, quoi. Je vais où, maintenant? Ouais, par là. Là, il y a un bâtiment, mais non. Hein? Et ça a l'air intéressant de jouer au jeu pour voir un peu tout ce qui se passe et tous les petits endroits cachés qu'on ne pense pas aller voir. J'arrive pas bien à discerner. Les frères avaient été des sortes de stars du rock. Ah, ouais. C'est en voyant la scène que j'en pris réellement conscience. C'est une scène de rock. Oh mon dieu, avec... Oh, une cinématique. Ils sont trop nombreux. Marie. Oh mon dieu, ça brûle les gars. C'est dingue. C'est dingue. Inverse de zut. Mais t'allumes tout. Oh là là. Attendez, j'ai pas eu le temps de comprendre où j'étais. Je ramasse juste des trucs. Ouais, c'est ça, ouais. Oh mon dieu, mais tout ce qu'il y a. Attendez, je préconise... La grenade. Grenade à Kappa. Tu sers à rien, Barry. Comme d'habitude. Histoire de changer un peu. Défendez la scène. C'est trivial pour l'instant. C'est un checkpoint là ou... Ils meurent tout seuls les gens. Ah non, ça a éclaté. Ça se trouve c'était un point de contrôle offert, je l'ai pas pris. Évidemment il a tout cassé comme d'habitude. Oh mon dieu, il y a une méga lampe torche. Je l'avais pas vu. Comment... Aïe. Mais qu'est-ce qui m'a fait mal? Mon dieu, regardez-moi cette lampe torche. Elle est gigantesque. Là il y a des feux à main. Non, des fusées éclairantes. Et des grenades incapacitantes, j'avais pas vu. Eh, recule, toi. Mon dieu, comment ils meurent tout vite, les messieurs. Oh, il sort d'où, lui? Et qui sont tous ces gens? Ils sortent d'où, là? On a un imposant, là. Point de contrôle atteint. Ben voilà. En fait, c'est un point de contrôle, c'est génial. Ben, je reste dans la lumière, hein. Y a pas de problème. En fait, j'avais pas pris le premier point de lumière qui était gratuit, c'était des checkpoints et tout. Ah, qu'est-ce qu'il les a tous tués, là? C'est Barry qui a envoyé tous les explosifs et ça les a tués? Ah, c'est les Pills? T'es qui, toi? Il a l'air un peu vivant, quand même. Voilà. Ils sont où, les autres, là? Oh, il sort d'où, lui? Aïe! On lance des choses! Mais il y en a combien? Oh, il sort d'où, lui? Je préfère quand ils viennent plutôt qu'ils me lancent des trucs depuis je ne sais où. Oh, punaise. Mais je t'entends pas!
Il me parle, mais je l'entends pas. Recharge. J'ai plus que 2 balles dans mon revolver. Fusil. Aïe. Boum. Meurs. Checkpoint. Mais c'est super trivial. Ils sont combien? Vous êtes sûr que je vais pas faire autre chose, là? Le mec, ça va, Barry n'est pas trop stressé de la situation, quoi. Et on se fait attaquer par 3000 personnes, des ombres... on sait même pas trop comment ça marche. Grenade! Merde, lui, il est déjà... Mais ils sont combien? Non, je vais pas mourir maintenant. Grenade. J'ai... Aïe. Ben voilà. C'était facile. Bon, j'ai failli mourir. Je vois un peu en noir et blanc, mais bon, c'était facile quand même, voyez. Génial, du bullet time. C'était génial. Ouais. Falls, capitale américaine du rock'n'roll. Attendez, je vais prendre les trucs qui traînent, là, genre ça. En plus, j'ai même pas eu besoin d'avoir ramassé 36 000 trucs. Regardez, j'ai déjà 20 ampoules et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je recharge, j'ai 30 balles. La ferme, c'est par là, je vois bien que c'est par là. Regardez comme il est épouvantable, cet épouvantail. C'est genre, c'est Barry qui est devant moi. Point de contrôle atteint, on va arrêter là. Ouah, wow, c'est quoi cet éclair? Ah, il y a eu pile un éclair, un tonnerre, un orage quand... Voilà. Oh, vous voyez. Bon, rendez-vous à la map pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et ben à plus.